Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je me prépare une nouvelle randonnée quad. J'ai décidé de faire encore une fois un nouveau trajet. Alors j'ai décidé de partir à Frampton, c'est dans la Beauce, c'est près de Sainte-Marie-de-Beauce. Et puis je me suis stationné là, au club Chachet-Pêche de Sainte-Marie. Il y a un beau stationnement ici, tu peux venir parquer ton pick-up, ton trailer sans aucun problème. Et puis je vais sûrement descendre dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli. Donc on parle d'une randonnée d'environ 320 km aller-retour. Et puis je vais commenter tout au long et puis je vais vous revenir un petit peu plus tard. Beau 40 km de fait, c'est super, tout va très bien. Les sentiers sont très beaux jusqu'à maintenant. Et puis, ben, on va continuer tranquillement, pas vite, là, notre chemin vers Saint-Jean-Port-Joli. On va revenir un petit peu plus tard. Ben, je viens d'arriver à Saint-Damien, alors ça m'a donné 71 km jusqu'à maintenant. Ça va super bien, super beau sentier, pas de problème avec ça. Tout va bien, le paysage est quand même super beau. Alors je vais prendre une petite pause, hein, puis je vais vous laisser sur quelques petites images. Il y a un beau petit lac en arrière de moi. Je viens juste d'arriver à Armas, alors 92 km de fait, des sentiers pas un moisir, c'est super. Je viens de pogner un petit peu d'asphalte, un petit bout, mais quand même, là, ça a du bon sens, ça fait partie de la game. Et puis là, ben, je viens de passer un super de gros pont avec une belle rivière autour de ça. On va regarder ça. Tout à l'heure aussi, j'ai oublié de parler, là, au niveau de l'essence, il n'y a pas d'inquiétude. Quand tu pars de Frampton, là, ben, tu peux mettre l'essence à Saint-Damien sans aucun problème. T'as refoulé, puis là, ben, je vais pouvoir me rendre très facilement jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, j'ai bien l'impression.
OK, ben 122 km de fête, ça va super bien. C'est vraiment le fun. J'ai eu une très belle journée, là. Très, très, très belle journée pour ça. Et puis là, ben, j'ai décidé de faire une petite pause, c'est que je viens de trouver une petite halte là, sur le sentier. En passant, le dernier bout de sentier que je viens de faire, là, c'est une vraie autoroute. Là. Ça roule, là, c'est vraiment super, là. C'est merveilleux. Bon, ben super, 146 km de fête, vraiment génial. En tout cas, ceux qui n'ont pas fait du 4 roues aujourd'hui, il y a deux raisons. Fuyez pas, ou bien vous avez manqué une maudite belle journée. C'était vraiment super aujourd'hui, puis je pense que ça va continuer jusqu'à la fin de la journée. On approche de Saint-Jean-Port-Joli, je sais pas dans combien de temps, mais d'après moi, peut-être un 25 km d'ici. Fait qu'on se reparle tantôt. Bye-bye! Bon, ben c'est fait, je viens d'arriver à Saint-Jean-Port-Joli. Finalement, ben c'est 175 km. Fait qu'on va prendre un petit break, là, une couple de minutes, puis on va redescendre à Québec. Ben pas à Québec, mais en fait, on va descendre à Frampton. Puis après ça, on va retourner à la maison à Québec. Fait qu'on va revenir un petit peu plus tard. Bye bye! Je viens de sortir de Saint-Jean-Port-Joli. On l'a fait peut-être là, une vingtaine de kilomètres, 20-25 kilomètres. Il y avait un bout assez rough, là, rocailleux, puis on faisait quasiment du trial d'entrée. En tout cas, ça mettait du piquant à la randonnée. Mais pour le reste, c'est super. Fait qu'on continue. Ben, la randonnée est terminée, c'était super le fun, 380 km de plaisir, c'était vraiment trippant. Frampton jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, plus que quelques détours, et puis ça a été une très belle journée. Un petit conseil que je pourrais peut-être donner, si les gens désirent faire cette randonnée-là,
je pense que c'est essentiel d'avoir un GPS ou peut-être son téléphone avec iQuad là, pour s'aider là, parce que c'est facile de se perdre, je pense, à certains endroits. Alors, c'est juste un petit conseil comme ça. Alors, je vais vous dire à la prochaine. Bye bye!